Salut à tous, bienvenue dans la Néosphère, c'est l'émission Néo Musique. Ouais. Comme chaque semaine sur YouTube, sur la chaîne Néo Musique, sur le site internet Blackout Music. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur notre site pour poursuivre toute l'actualité du label. Cette semaine, comme chaque semaine, on a un invité avec nous, Monsieur Atis. Yes, ça va ? Qui n'est ça pas va, venu tout seul. Ça va. Il est venu avec DJ William. La caméra est là. Salut à vous les gars. Il y a mon gars qui est toujours là à mes côtés, Monsieur Max Payne. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Je sais pas, t'as l'air bien calme, là, bizarrement. Non, tranquille, la famille. Ah, on est là. Tranquille, la famille. Ok, vas-y, pas de problème. Ah, tu sais comment va? Ça va, hein. La forme? Là, on est là, hein, tranquille. T'as fait, hein, fait le déplacement jusqu'à Grigny chez les fous? Ouais, tout doux, on est là, normal, gros. Ouais. Normal. Est-ce que tu peux nous parler, pourquoi t'es là? Est-ce que tu peux te présenter déjà au... pour les gens qui te connaissent pas? Ben, moi, c'est Atis. C'est comment? Je suis un rappeur. Avant tout, je fais aussi du beatmaking. Et je fais de la vidéo aussi à côté, de la réal et tout et tout. Touche à tout. Ouais, exactement. Mais justement, en touchant à tout comme ça, t'as pas peur de t'éparpiller? Non. Parce qu'on peut pas être bon partout, non? Non, en fait, c'est pas une question de bon. C'est surtout, tu vois, moi, ça me fait plaisir, je le fais. J'attends pas spécialement qu'on me dise t'es bon ou pas, tu vois, tant qu'on me sollicite et qu'on continue à me solliciter, du moins en tant que beatmaker, rappeur et réal, tu vois, jusqu'ici, alhamdoulilah, tout va bien. Donc, moi, je te connaissais qu'en tant que rappeur, pas en tant que beatmaker ou bien réalisateur. Ouais, parce que c'est plus, tu vois, on est en développement et puis là, c'est pas sous l'identité Atis. Quand on fait du beatmaking, c'est 70 centilitres, tu vois. Donc, on est une équipe, on est plusieurs à faire du beatmaking et du rap aussi. Et dans la vidéo, je suis associé avec Nabil Chakali. Et donc, on travaille sous le nom Thomas X Nabil. C'est mon prénom, Thomas, lui Nabil. Et voilà. T'es de quelle origine, toi? Putain, tu m'as blagué là, je crois. Je suis antillais espagnol. Ah ouais, putain. Là, je croyais que c'était un robot. Ouais, je me suis dit, ouais, ça doit être un Camaro ou un truc comme ça. Non. On te dit à chaque fois. Non. Ouais, bah ouais, régulièrement, ouais. Normal. Et toi, DJ? Quelle est la question? Ouais, ça va, cool, hein. Franchement, ouais, c'est cool, on est là avec le frérot Atis. Ouais. Je suis content de te recevoir parce que nous, on aime bien faire la part des choses, de recevoir des artistes, des rappeurs et des beatmakers aussi, parce que je trouve qu'on met pas assez en avant le travail des beatmakers. Ouais, c'est vrai qu'en France, il y a une petite lacune là-dessus. Après, c'est peut-être aussi la faute des beatmakers qui veulent pas trop être mis en avant ou qui font pas la démarche de, tu vois, qui sont un peu en retrait, ils font des beats et basta, tu vois ce que je veux dire. Moi, je fais de la réal, j'ai mon studio, je reçois les artistes, c'est tout un package, quoi. C'est bien justement de recevoir des gens comme toi parce que ça permet aux gens qui nous regardent de voir le rap métier dans sa diversité, dans tout ce qu'il y a aussi, tout ce qu'il y a autour. Le hip hop, comme on aime bien dire, la culture hip hop, on résume trop souvent ça aux rappeurs, alors que c'est tout un ensemble. Si on parle de la culture hip hop, comme tu dis, c'est un ensemble, c'est la danse, c'est l'art en général, mais effectivement, c'est aussi les ingé-sons, c'est le mec qui va te faire ta pochette pour que ton CD claque, c'est un mouvement, voilà. Tu dis. Donc sans ton travail, Atis serait pas là aujourd'hui pour nous présenter Panel 5. Bah, le volume 2 du moins, parce que lui il se débrouille très bien sans moi à ce niveau là, mais en tout cas là, le volume 2, Five Panel volume 2, voilà, c'est moi qui ai entièrement produit les tracks, musiques et réalisé aussi avec moi, tu vois, les sons. Sur le premier volume, il y avait différents beatmakers. Et sur celui-ci, j'ai voulu travailler. Mais toi, en tant que beatmaker, pourquoi tu t'es pas servi de tes propres instruments? Ben parce que justement, je trouve ça plus intéressant. Ça veut dire que j'ai moins d'objectivité quand je fais la prod pour rapper dessus. Tu vois, je peux même avoir un flow qui démarre dans ma tête pendant que je suis en train de faire la prod. Donc, je perds toute objectivité. Que, par exemple, quand on bosse avec Widim ou d'autres beatmakers, soit bah, il y a le cas de figure où le mec il t'envoie la prod et là, tu bosses dessus. Et où avec Widim, là, ce qu'on a fait sur le volume 2, c'est pour la majorité des sons, les travailler ensemble, le sample, les batteries, les machins. Ensuite, moi, j'ai écrit où j'avais déjà mon texte, je pose dessus. Et ensuite, lui, il arrange, tu vois, il fait les breaks, les cuts dans les batteries, les effets dans les voix, les machins. Mais en gros, je préfère, parce que sinon, je vais travailler seul tout. Ou alors avec Sinto et l'équipe 70 centilitres. Mais c'est pareil, on a tellement l'habitude de bosser ensemble qu'on, entre guillemets, perd de l'objectivité. Et comme j'avais l'habitude de travailler en collectif, à la base, et où avec mon binôme Sinto, là, en solo, je me suis dit, il faut que, tu vois, entre guillemets, que je sorte des contrées dans lesquelles on est déjà allé. Essayer d'autres univers, en fait. Ouais, exactement, ouais. Ok, bon, on va se faire une première coupure musicale, on va se balancer le son 1986. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce son, de la date, pourquoi ce titre? Parce que c'est mon année de naissance. Ouais, aussi. Ouais, normal. Et en fait, Widim, il avait...
vas-y, je te laisse raconter l'histoire non, de la prod. Son, en fait, déjà, avec, l'histoire de la prod. On va écouter le son, mais ça commence avec un solo de piano. En fin de compte, ouais. C'est une amie à moi, Sylvie Faure, qui est pianiste. Voilà, un jour qui m'a fait un bout de piano. Je lui ai dit comme ça, clac, clac. Moi, j'ai isolé une partie, et puis on a construit le beat là-dessus. Et puis voilà. On a kiffé, après, moi, c'est et, ce qui m'est venu, les paroles, machin, par rapport à la musique. En fait, c'est, on essayait de faire un espèce de contre-pied. T'as capté, parce que ça part en piano rap français, machin. Mais et moi dans l'interprétation de l'autotune sur les espèces de de son piano machin, je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Après je me suis dit 86 que j'en parle dans le texte, donc c'est plus ou moins l'intro du projet, on va dire, tu vois. OK, 1986, c'est tout de suite. Tout est rappeur de merde. Jette sans l'air. Jette sans l'air. Ton shit de mauvaise qualité. Jette sans l'air. Ça jette sans l'air. J'ai dit jette sans l'air en l'air. De retour dans la néosphère, toujours avec monsieur Atis et DJ Weeding, dans le building, panel 5, disponible gratuitement sur Haute Culture, hip hop, Max Payne. Une dédicace à Mathieu parce qu'il s'est coupé les cheveux. J'aimerais juste faire une dédicace à Mathieu, l'homme de l'ombre. Si, même si tu le dis, les gens ne le voient pas. Donc c'est pas grave, l'homme de l'ombre. Sachez que Mathieu il est toujours là parce que si il n'est pas là, nous ne sommes pas là. Il n'y a pas d'émission. Voilà. Voilà, donc big up à lui. Big up à Mathieu. Il devient tout rouge là, vous voyez pas, mais il devient tout rouge. Ce Atis, jeune sauvageon. On est de retour avec toi, donc on s'est écouté le morceau 1986. Ouais. Donc comme je te disais, ton projet il est assez court. C'est un format voulu. Ouais, carrément. En fait, au départ, non. Au départ, je savais pas trop où j'allais sur. J'étais en train de faire des titres, plein de titres, et j'en avais déjà accumulé certains. Et je suis justement rentré en studio avec Willim parallèlement à ça. Et je voulais juste faire des titres solo, j'avais pas d'idée et tout. Et finalement, le format de 5, je voulais bosser quelque chose avec Haute Culture. Et le format de 5 titres, ça m'a parlé dans le sens où je me suis dit, je veux enchaîner plusieurs projets, faire de la récurrence. Bah, déjà, là, je trouve que ton projet, le panel 5, il est assez rapproché par rapport au projet que t'as sorti au mois de décembre. Ouais, carrément. Et aussi, tu vois, je suis dans un espèce, entre guillemets, de système d'évolution. Ça veut dire. De toute façon, chaque projet Five Panel, il n'y en aura que 3 de toute manière. C'est des 5 titres. Mais j'essaie aussi, entre guillemets, d'évoluer en termes de vidéos. Ça veut dire que dans le premier, il a eu moins d'exposition pour la simple et bonne raison que j'ai pas non plus fait de clip à proprement dit. Ouais. Que j'ai fait un feat avec Esprit et Zeko et que j'ai pas mis en image. C'était, entre guillemets, aussi volontaire pour laisser les gens aller vers la musique avant tout, tu vois. Et sur là, le volume 2. Il y a eu un peu plus, entre guillemets, d'exposition parce que j'ai un peu plus travaillé les vidéos, etc. Oh, mais visuellement, t'en as pas fait des masses non plus. J'en ai vu non. On a fait Jette ça en l'air, à l'envers, avec Benil Bronis. Ouais. Et après, j'ai fait des inédits avant que le projet sorte. Tu vois, Benny Blanco, partie 2, et Clapiche. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les thèmes que tu abordes sur ton CD? En vérité, il n'y a pas spécialement de thème, gros. C'est ça veut dire que, par exemple, 86, c'est un peu, entre guillemets, on va dire, quelque chose de nostalgique. Ouais. Puisque je parle de quand j'étais neugeux, comment ça se passait à l'époque. Et forcément, Smith. Voilà, et forcément, ça a changé, tu vois, sans faire le rabat-joie, hein, du tout. Sur Ville Lumière, on parle de Paris, forcément, tu vois. Ouais. À l'envers, avec Benny Brony, c'est un lendemain de soirée. C'est ça, là, un peu la thématique. Et après, il y a aussi Jette ça en l'air. Ça, c'est un peu ego trip, mais c'est aussi. Il y a pas vraiment de thématique, mais c'est des gimmicks plutôt qu'on a échangé, tu vois, avec Infinite. Et après, il y a le paradis sur terre. Là, je parle entre guillemets plus d'évasion et de délire que j'ai pu faire aussi, tu vois. Des, entre guillemets, pas des souvenirs, mais des trucs récents ou quoi sur. Sur le fait de bouger, se déplacer. Et, voilà, tu vois. Et toi, DJ Weedim, excuse-moi. Yes. Comment se passe ta partie création pour toi quand tu composes? Avec Atis ou en général? En général, en conséquence. Excuse-moi, avec Atis. Juste avant, déjà, comment vous êtes mis en connexion? Parce qu'on ne sait pas comment. Nous, ça fait un petit moment qu'on. Ouais, ça fait à peu près 5 piges, 4 piges. C'est Kervin qui t'avait check à l'époque, on associait sur les mixtapes parce qu'eux, ils faisaient beaucoup de mixtapes et associés avec Deepset et compagnie. Moi, j'étais dans le game de la mixtape aussi. Et bon, bah, voyant des Français faire des mixtapes, et nous aussi, on s'est dit, bah, on va aller les check. Ils sont venus au studio et on est rentré dans le vif du sujet. Même, tu parles des mixtapes, ça se fait de moins en moins. Des mixtapes. On parle de mixtape. Après, voilà, aujourd'hui, c'est sur le format à changer, tu vois. C'est-à-dire, le CD à proprement dit que tu vas mettre dans ta bagnole, tu l'as moins. Après, des mix de DJ, il y en a plus que jamais, tu vois. Tu vas sur des SoundCloud et des différents sites, les podcasts, tu vois. Chaque DJ fait son podcast, ton machin. Alors, le format a changé, mais il y en a.
Il y en a beaucoup plus qu'avant, je trouve, quoi. Ah bon ? Après, je trouve que moi, il y en a beaucoup chez les Quinries, mais en France, en français, il y en a. Ouais, si on parle de mixtape rap français, ouais, là, c'est clair, c'est Dead, Super Dead. D'ailleurs, je comprends pas du tout pourquoi c'est descendu comme ça. Après, effectivement, bah, t'as vu le game des DJ, en vrai, déjà, il est un peu fucked up en France. Ouais, ouais, c'est ça, traduction, il est un peu fucked up. Non, mais c'est un peu niqué, tu vois. Regarde, en vrai. Voilà, comme tu dis, il y a plus de gars influents, tu vois, qui ramènent le truc. Dans les émissions de radio, t'as plus le DJ qui va balancer les nouveautés et puis qui va dire, voilà, ça c'est la putain de nouveauté, boum boum, et on envoie le truc, tu vois. C'est maintenant DJ, c'est quoi? C'est le mec qui est en club, qui va faire danser les meufs, et ah, le DJ il tue, tu vois, bon, après. Tu dis ça, mais dernièrement, il y a Black Kent avec DJ Mix qui ont sorti un projet. Il y a toi avec Atis qui ça arrive, j'ai l'impression que voilà, il y a un truc qui se passe, donc, ouais. Mais c'est pas vous aussi les DJ qui ne donnaient plus d'exclus aussi? Parce que moi je vais te dire, hein, des exclus j'en envoie, gros, t'as aucun retour, quoi. Les DJ de radio, je leur envoie des trucs, on te calcule pas. On est dans cette époque du consommable de la musique, tu vois, comme tu disais, le truc il est court, mais en fin de compte, je me dis que si le Five Panel il avait fait 30 morceaux, les mecs seraient jamais allés jusqu'au bout, tu vois. Et que de toute façon, demain il y a un autre truc qui va sortir, et combien même ton truc il tue, demain il y en aura un autre qui va tuer, tu vois, donc on va passer à autre chose. Donc je pense que voilà, c'est dans ce game, tout va vite, tu vois. Fast food music, comme les ouais, c'est ça, non, t'as de même, c'est ça, c'est ça, tout est comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est... Voilà. Ok, on va s'écouter, bah, Jette ça en l'air. Ouais, ouais. Et bah, parle-nous un peu de ce morceau vite fait avant de le balancer. Jette ça en l'air, c'était un son que Widim il avait commencé avec Infinite. Ouais. Et on s'est retrouvé. Parce qu'il avait, Widim, il a aussi sorti un projet avec CDC de Aketo, c'était en septembre l'année dernière. Donc, voilà, donc il y a eu un concert, donc Infinite qui est de Nice à la base, il vient du 06, et il est monté à Paris à l'occasion de ce concert, du coup on s'est capté à ce moment-là, et le lendemain on s'est vu au studio chez Widim, mais comme à l'accoutumée, parce que c'est comme ça que ça se passe avec Widim, il fallait bosser quelque chose, machin, et il faisait tourner ça, jette ça en l'air, bon alors qu'est-ce qu'on fait, machin, j'ai dit, monte dessus là, allez hop hop hop, c'est parti. Et voilà, tu vois, du coup, c'est comme ça qu'est née un peu la chanson, tu vois, voilà. Après, la thématique, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, sur celle-ci, c'est sûr, il n'y a pas de... Il y a rien. C'est tout le faire, jette ça en l'air. Jette ça en l'air, Néo Musique, Néo Sphère, Blackout Musique, c'est parti. Le grinder est surchargé. Aketo, infini, peu la peu, fais-le. De retour dans la néosphère, toujours Néo Musique, toujours artiste, toujours Didier Widim, toujours Panel 5 en téléchargement gratuit, toujours Max Pella. C'est gratuit, mec, allez télécharger. Ça revient beaucoup à la mode en ce moment, on reçoit des gens, on me dirait qu'ils veulent plus vendre leur projet, ils veulent tous faire des trucs gratuits, comment ça se fait? Bah, faut être aussi réaliste, gros, je sais pas, moi, les gros vendeurs vendent moins. Donc, je sais pas, en tout cas, moi, je suis le genre de négro, tu vois, si, entre guillemets, jusqu'à ce que ça ait, tu vois, le mérite d'être vendu. Déjà, je te dis pas que les musiques sont nulles, au contraire, c'est les meilleures que j'ai fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Tu investis des heures en studio, tu investis des heures pour le mixage, tu investis pour la réalisation du clip, et au final, tu donnes ça gratuitement. J'investis dans ma carrière, frère. J'investis dans ma carrière, dans le sens où j'essaie de fidéliser un maximum de personnes autour de ma musique, ou de mes activités, et de mon équipe aussi, tu vois, forcément. Et à partir de là, si je peux capitaliser, pas directement, ni financièrement, ni quoi, je vais le faire. Parce que justement, voilà, je fais du beatmaking ou de la vidéo et tout. Et ce que je fais dans la vidéo, ça peut aussi m'aider dans le rap. Les placements que je fais en termes de beatmaking. Par exemple, le beatmaking, c'est aussi comme ça qu'on a connu des Quinries et qu'on a pu bosser avec l'équipe de Dipset et tout, tu vois. Ouais. Voilà, donc... Pour moi, et on a plus ou moins l'équipe 70 centilitres depuis le temps, on a souvent bossé en format gratuit, tu vois. Et pour moi, ça me convient pour l'instant. C'est pour ça que justement, là, comme je suis en solo dorénavant avec Five Panel, j'essaie de faire, de donner au public, tu vois, des... L'activité principale, mis à part le fait que tu es un MC, c'est vraiment le beatmaking. C'est ça qui te fait rentrer des sous? Non, c'est plus la vidéo. La vidéo? Ouais, plus la vidéo, ouais, clairement. Ouais. Ouais, carrément même. Et t'as réalisé des vidéos pour qui jusqu'à présent? C'est un peu tous les formats, tu vois. Ouais. Avec Nabil, on travaille avec le label Def Jam France, donc on a travaillé avec La Crime, ou même pas des mecs du rap spécialement, tu vois. Birdie Nam Nam, ou des Quinries, French Montana, ou Nawel Madani, ou tu vois, je bosse sur plusieurs formats. Après, pour les clips aussi, on a déjà fait des clips pour des rappeurs comme Esprit Noir ou d'autres mecs comme ça, tu vois. Esprit Noir, qui d'ailleurs est dans ton projet. Ouais, carrément, ouais, c'est un poteau. Ouais. Et du coup, ouais, mon activité de vidéo, en tout cas, ça dépend du format.
c'est mon métier en tout cas, tu vois, j'en vis. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et grâce à Dieu, c'est aussi dans la musique, ça fait quand même partie de ma passion. Alors même si je suis pas directement acteur en tant que rappeur, c'est toujours dans le métier et ça me, tu vois, ça me crée des connexions aussi. C'est intéressant quoi. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est récurrent avec les artistes qu'on reçoit ces temps-ci, c'est que souvent, vous êtes pas les premiers mais à travailler avec des rappeurs qui en rient. Et je trouve ça bizarre que de voir cette facilité à travailler avec des rappeurs qui en rient, or qu'en France il y a beaucoup de rappeurs et c'est plus difficile de travailler avec ces rappeurs-là. C'est-à-dire tu parles de gens connus? Ouais, par exemple, tu vois. Ouais, il y a des grosses têtes dans le rap français et en direct pour travailler avec eux c'est plus compliqué que de travailler avec certains. En fait, il y a deux façons avec les Américains, c'est simple, c'est soit tu les payes, donc après que ce soit un mec connu ou pas connu. Ouais. Nous on a réellement, je crois, jusqu'à présent, si je réfléchis bien, à part pour des visuels, des choses comme ça, jamais payé aucun Américain, tu vois, ni pour leur donner des instrus, ni pour poser, qu'ils viennent poser avec nous, machin, etc. Donc forcément, comme on les payait pas, c'était un peu galère, tu vois. Mais c'est aussi une fierté et un échange à la base. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de faire le mec des années bissextiles, mais le hip-hop, on est là pour ça. Ouais. Et en France, bon, moi, me concernant, je sais pas pour les autres rappeurs et les gens du milieu, mais déjà, je suis toujours resté ouvert, entre guillemets, tu vois. J'ai toujours fait pas mal de featuring ou voilà, à travers la vidéo ou le beatmaking, bossé avec pas mal de gens qui savaient aussi que je fais du rap. Mais après, j'ai envie de te dire, on se mélange entre rappeurs français. Par affinité. Ouais, voilà, et après, c'est aussi, ouais, par affinité et au gré des rencontres, tu vois. Par exemple, tu vois, si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais pas été amené à rencontrer, tu vois, je sais pas. Non, si, Esprit, ouais, quand même, mais on s'est connu via la musique aussi. Mais je sais pas, moi, des mecs comme Lacrim, des machins, des trucs comme ça, je les aurais pas rencontrés, quoi. Après, je te dis pas que ça crée des opportunités pour le rap, mais par contre, ça peut en devenir une. Si tu parles de niveau, tu vois, de niveau de rappeur, genre entre rappeurs, on fait pas de feat parce que les mecs connus font pas avec des mecs inconnus. Si, ils le font, mais avec leurs potes. Donc, je sais pas, moi, les mecs les plus connus en France, ils ont leurs potes, mais c'est normal, ils doivent déjà les mettre en avant. J'ai envie de te dire que si moi, demain, je sais pas quoi, ça fonctionne, il y a Cinto, il y a Bass, j'ai une équipe aussi, je vais les mettre en avant. Avant de, tu vois, faire des featuring avec tout un tas d'autres rappeurs, c'est logique. C'est pour ça que, comme tu me dis, peut-être tu sens que ça se mord un peu la queue, c'est parce que tout le monde a des poteaux à faire croquer avant de se mélanger avec un tel, tu vois. Ok, bon, on va s'écouter le morceau Paradis sur Terre et après on va revenir avec toi, DJ Wedding. J'ai quelques questions à te poser sur ton travail de DJ. Ouais, et sur ses tatouages. c'est sur ses tatouages. Ok, c'est parti. On va retraite dans les Caraïbes. On s'écoute ça tout de suite. Surchargé, DJ Wedding, Aketo, Infini. Vas-y. Vas-y quoi? Vas-y. Mais continue, c'est ton émission, wesh. Vas-y. Dédicace à Team Row. Dédicace à tout le monde. Moi, je continue avec les dédicaces. Toi, t'es là que pour faire des dédicaces, toi. Dédicace à Tonton. C'est lui qui est derrière la caméra aujourd'hui. C'est qui, Tonton? Tonton, c'est le boss. Vous cherchez. Vous savez, Shux Knight. Ouais. En France, c'est lui. C'est lui. Ouais. Il agresse et il prend. Il en a rien à foutre. Mais non, je rigole, évidemment. Je rigole. Il a soufflé la tête. Non, il agresse et il prend. Donc, toi, tout à l'heure, tu vas prendre des tartes par Tonton. Ah, il va me frapper, normal. J'assume quoi, il me tape et je lui dis merci. Bon allez, sérieusement, on revient dans la Néosphère, panel 5 est toujours disponible. DJ Widim, je sais pas si je prononce bien. Widim. Ouais. Toi, tiens, on parlait tout à l'heure des activités de ton collègue Atis. Quelles sont tes activités, toi? Et est-ce que tu réussis à vivre de tout ça? Moi, je suis intermittent du spectacle, tu vois. Donc, j'ai fait une tournée l'année dernière avec Seth Gecko et Alka. Du coup, bah, j'ai eu le temps de mettre ça en place, tu vois. Donc, j'ai ça. Je fais beaucoup de soirées aussi, des concerts, tu sais, différentes premières parties des artistes américains, tout ça sur Paris. Plein de soirées, tout. Ouais, je vis complètement de différents artistes américains. À fond, ouais. Mais comment elle s'est fait cette connexion-là? C'est quoi le truc? Moi, je bosse avec un tourneur, en fait, qui s'appelle Live Nation. Tous ceux qui organisent, bah, un gros tourneur mondial, tu vois. C'est un très gros tourneur, c'est pas un petit. C'est un des leaders mondiaux du truc. C'est les mecs qui font Rihanna, Madonna et tout. J'en passe les vertes et les pas mûres. Mais le truc, c'est que, bah, rien, eux me sollicitent en fin de compte pour faire le warm-up des concerts parce que, à mon avis, ils estiment que bah, je suis la personne la déplacée pour faire le truc. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, bah, ça se passe super bien. J'ai fait. Tu peux nous citer certains noms avec qui tu as travaillé? Des premières parties, ouais, je t'ai dit, j'ai fait tout le monde. J'ai fait Beyoncé à Bercy, j'ai fait Chris Brown à Bercy. Qu'après ça, la vidéo, les gens, ils t'ont vu. Si tu vois 100 mises à jour derrière, là, sois pas étonné. Les meufs, ils vont me dire. Après, la liste est longue. Franchement, dernièrement, il y a eu Migos, là, on a fait Migos, on a fait Future, on a fait. Qui en a fait? French Montana.
On a fait Rick Ross, on a fait bon voilà, la liste mec elle est incroyable quoi. Là, là et là prochainement d'ailleurs il y a l'Olympia le 6 juillet avec Big Sean, Jay-Z et Ray Schremer les petits là. Jay-Z pas Jay-Z, Jay-Z. Ça c'est le 6 juillet à l'Olympia et le 7 juillet t'as I Love McConnell aussi sur Paris en concert au Trabendo. Et pour revenir à toi, est-ce que tu prévois des scènes ou de partir en tournée pour défendre ce projet, le futur projet qui va arriver? Bah, pour l'instant, moi, j'ai pas de proposition, mais comme j'ai pas mis en place moi-même de tournée, pour l'instant, il n'y a pas de concert de prévu, à moins d'être invité à gauche, à droite. T'as pas été contacté par des tourneurs? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ça se fait beaucoup en ce moment. Ouais, bah, on essaye de mettre des trucs en place là, en ce moment, tu vois, mais plus pour le volume 3 aussi, comme je disais, dans la continuité de l'évolution dans chaque projet. J'aimerais, justement, pour le volume 3, tu vois, une date à peu près ou pour le volume 3 ? Voilà, la rentrée frère, septembre c'est sûr. C'est sûr, à 4000%. Et toi, à part le concert du 6 juillet, est-ce qu'il y a... Il y a de la news là. Là c'est la folie là. Balance, on aime les exclusivités. Là le mois prochain on a un EP qui arrive avec Driver. Comme on a fait avec Atis, il y a 7 titres là qui arrivent sur Haute Culture. Donc le Driver de Sarcelles. Exactement. Est lourd de ouf sur des beats là 2015 tout ça. Donc voilà Driver, XA Kixal, tu vois. Il y a qui il y a le petit KSA aussi de Eddie Hyde. Je connais pas. Eddie Hyde, le crew là, tu connais pas cela. Non. Bon il y a voilà peut-être les internautes checkent ça. Voilà donc KSA on bosse un EP. Infinite là on a un EP qui est dans les bacs là, plus ça s'appelle, donc pareil avec un, il y a la Al Capote, ça sort le 11 mai, moi j'ai produit la moitié du projet avec lui, il sera bientôt là aussi Al Capote pour j'ai des morceaux sur l'album de Seth Gecko aussi qui va débarquer l'année prochaine là, enfin, donc toi tu dors pas, toi t'es hyperactif il faut sinon c'est les autres qui vont le faire et ça c'est pas possible. Dis-moi, est-ce que je peux vous poser une question à tous les deux, qu'est-ce que vous pensez du rap aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu sais quand t'écoutes le rap, t'écoutes la radio, quoi que ce soit, la musique en général. Déjà, le rap était mort, est-ce que t'es mais après regarde frère, t'as vu, enfin moi je parle pas pour Widim mais je sais qu'ils se jouent à moi, tu vois, en plus c'est de la merde frère le rap, c'est, quand je dis c'est de la merde, pas le rap mais tous ces trucs là de je sais pas, moi en tout cas moi je suis bien frère, je vois le rap il se porte bien, ça continue à vendre, bon les radios, la vérité c'est que j'ai pas la radio, j'ai pas mon mi-père, j'ai pas la voiture frère, j'ai pas de radio, j'écoute pas la radio. Donc en vérité je suis sur internet, je vois ce qui se passe, je suis tout ce qui se passe comme tout le monde, mais frère ça se porte super bien. Après moi où j'en suis dans le rap, là pareil ça va, tu vois, Dieu merci. Et puis après les trucs de c'était mieux ou c'est mort ou je sais pas quoi, non, même là je pense que là vraiment avec le là en France en ce moment, avec tu vois là, le site comme Haute Culture quand même qui amène un gros truc là en France, tu vois, du free mixtape rap français, enfin tu vois la référence de là, mec, c'est, tu vois, là, tu vois plein d'artistes qui débarquent tous les jours, des petits jeunes de n'importe où, mec, c'est plus Paris, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui est là, qui domine le truc. T'as des gars de, je sais pas moi, Saint-Etienne, qui arrivent avec des styles de fou, ça rappe chelou, les beats sont ouf et tout. Non, avec ce truc internet, là, je pense qu'en ce moment, là, 2015, pour moi, c'est un truc de ouf. Il y a qu'à voir toutes les sorties qu'il y a eu et qu'il va y avoir cette année. C'est ça. Il y a déjà, il y a pas mal de sorties qui sont arrivées. Moi, c'est mon avis à moi, tu demandes à lui, mais je te dis, je faisais partie des gens qui disaient que le rap c'était mieux avant, je faisais partie des gens qui disaient que le rap c'était mort, mais 2015 là tu sais quoi, il y a eu cette transition en fait de aussi musicalement, tu vois, ou dans les beats ou dans les thèmes abordés, on est quand même, tu vois, ça y est, on a passé le cap. Avant un rappeur français qui arrivait pas avec un vrai thème, un truc un peu profond, c'était de la merde, tu vois. Aujourd'hui on veut un truc débile qui tourne bien dans la tête et qui nous fait danser, tu vois, ça en kiffe. Donc il y a eu ce là, je pense les 3 ans là qui sont passés, c'était ce cap à passer, et là ça y est, on y est, full auto-tune, les gens ont accepté l'auto-tune et ces conneries là, tu vois. Ce qui s'est passé, on dit que c'était mort, etc., parce que l'industrie en France en tout cas elle a eu du mal. Ouais, pas du tout, c'est pas souffert. Elle a eu du mal à s'adapter en fait, tout simplement parce qu'elle a fini par s'adapter. Mais on disait bah, les maisons de disques signent pas. Maintenant ils signent, frère. Franchement, toutes les maisons de disques signent. Pas à tour de bras non plus, mais ils signent pas mal de rappeurs. Les radios en diffusent toujours les plus ou moins connus, tu vois. Après, c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a eu une adaptation par rapport au mouvement, que ce soit les acteurs, les médias, les choses comme ça, tu vois. Il fallait s'adapter au format internet. Après, t'as les négros vifs depuis le départ. Moi, j'ai encore un dernier truc à vous demander là. Tu demanderas ça après la coupure. On va s'écouter Ville Lumière. Mathieu, c'est énervé. Noir. A2H. A2H. Yes. Big up à eux. C'est parti, on revient tout de suite après ça. Je pourrais faire chanter Mary J.
Problème dans la carte mère, clickbait, Kurt Cobain. J'ai faussaire aux quatre coins de la pièce, à courbiche dans les hautes scènes. J'suis comme un genre de pied nickelé. Coluche au jeu de la vérité. À l'ancienne, Bustaflex. Ok, on est de retour. L'émission Néo Musique dans la Néosphère avec Monsieur Attis et DJ Widim. Je l'ai bien prononcé là. M. Widim. C'est ça. Bah, c'est ce que j'avais dit, non? Non. Non, c'est. Ça, je vais crier un peu, tu vois. Ah non. Widim. C'est ça. Ça y est. Il est là dans la maison à Grigny avec Max Payne. Monsieur la douleur, Monsieur Pain. T'avais une question à poser, je t'ai coupé avant ta question. En fait, moi, j'aimerais que Attis, il donne trois qualités de DJ Widim et que lui donne trois qualités. Et aussi trois défauts d'ailleurs. On est parti pour les qualités, vas-y. Tu le connais, ça fait 5 piges, ouais, je fais pas style. Non, t'inquiète, déjà c'est un truc. Je bégayais pas trop, mais tu je réfléchis pas dire. À l'ordre. Vois-tu ouais. Non, tout doux. Déjà c'est un travailleur. Après c'est un con. Ouais. Mais positivement, tu vois. Ouais. Et après il est ouvert d'esprit. Et voilà. Les tatoués aussi. Ouais, mais ça, c'est pas une qualité, mon frère, ça, c'est sa vie. Il a donné trois qualités, vas-y, à ton tour maintenant. Franchement, tu sais quoi, là, j'allais dire vraiment la même chose, toujours, c'est un travailleur, tu vois, vif, il n'y a pas de. C'est, on dit, on fait quoi, tac-lac. Ouais. D'ailleurs, on a trippé là-dessus souvent, parce que voilà. Pareil, on se fend la gueule, mec, on rigole, enfin, tu vois, moi, c'est important, tu vois, d'avoir un feeling, un vrai truc. On passe autant de temps à se marrer qu'à faire du bon boulot. Et troisième qualité, il rappe bien, mec. Voilà. Maintenant, trois défauts. C'est là que t'es bon. On veut que tu lui dises trois défauts. Sois honnête avec lui, sois honnête avec toi-même. C'est quoi ces défauts? Un défaut? Je sais pas, il a mauvais caractère. Ouais. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on s'est dit, il a un mauvais caractère, il est nerveux ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, je sais pas, mais c'est comme tout le monde, tu vois. Tout le monde a un mauvais caractère, un mauvais côté à un moment donné. Donc quand je dis mauvais caractère, c'est pour. Ouais, des fois il est chiant. Des fois il est chiant, normal, comme tout le monde. Je suppose que je le suis aussi. Non, après, un défaut, je sais pas. On fait le truc, j'ai pas de défaut là. Non, y a rien qui me dérange, je te jure que c'est vrai, mec. Non, de temps en temps, il y a un petit truc qui doit bien t'énerver. Tu la dis, tête putain, de homme, non, je te jure, mec, on se voit pour la musique, tu vois. Mais donc on est là, c'est efficace. Des trucs comme ça, tu vois. Non, là-dessus, on est, tu vois, moi, quand je te donne midi et demi, c'est 30, quoi, tu vois. Et il est comme moi là-dessus. Ouais, j'avoue, non, je sais pas, j'avoue. Heure française. Il est blanc, donc il dit heure française. Est-ce que tu respectes l'heure française? Ouais, non, on triple là-dessus, justement, parce que tu sais, je suis blanc aussi, elle est blanche. Il y a un moment, peu importe d'où tu viens, qui, quoi, truc bidule. On va être autour d'une table, on va te donner une heure. Ouais, c'est pas pour à le boulot. Là, il y a un autre blaireau qui va venir à la store là. Et puis, en fait, tu vois, on a réussi à quand même. Après, ça, c'est pas du tout sur les défauts, mais à lier, tu vois, le fait de bosser. Comme ça fait un moment qu'on bosse, donc lui, il a appris. Tu vois, il a regardé comment je bossais. Moi, j'ai vu comment il bossait. Ça, et ensuite, on a développé quelque chose au cours des années qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour ce projet et on perd moins de temps dans la musique. On n'a pas à apprendre à se connaître, on se connaît bien, donc on tape des barres et on est pointilleux, acharné sur les musiques et sur ma façon de rapper, d'interprétation, les trucs comme ça. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'on se prend la tête que là-dessus. Le reste, c'est n'importe quoi, frère. C'est les sbeul. Ouais. Je sais que les gens ils passent devant le studio, on pousse des cris, on fait des accents québécois, des trucs que je sais. Chez les gens ils nous regardent, mais ils ont tess, ils sont pas clairs. C'est plus nos femmes qui sont là, qui en rentrent le soir, c'est fini, ça y est, c'est problème. Fini. Rentre, bonsoir, ça y est, ça, ouais, ça y est. Ça y est, c'est ça le problème avec beaucoup de personnes entre le rap, concilier la vie artistique et la vie. Surtout que c'est le rap, c'est pas la vie quoi. Par contre, c'est une chance d'avoir quelqu'un avec qui tu partages la vie et qui n'est pas pointilleux sur « Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de machin ?» Tu vois. Faut trouver la bonne personne. J'ai bien compris aussi, ce sont des personnes posées. C'est-à-dire que pour toutes les internets qui vont aussi vous faire les féminines, frère. Là, c'est dead, il n'y a rien pour elles. Moi, je suis marié, pareil, Romain. Oh, félicitations, les mecs. Moi aussi, je suis marié. Pourquoi félicitations, les mecs. Félicitations pour toi, je t'ai toujours dit, mais j'étais là. Félicitations, parce que je te dis. Timbro, il cherche une femme. Écoute. Viens devant la caméra, fais ton annonce là, ça va aller plus vite. Ça va aller. Bon, mec, comment on fait pour vous contacter en fait sur les réseaux sociaux? Parce qu'apparemment, c'est le truc, il faut absolument être sur les réseaux sociaux en 2015. Attis 70 centilitres pour Facebook. Ouais. ATIS, le chiffre 7, chiffre 0 et CL. Et après Twitter, Attis, ATIS, underscore 70 centilitres, pareil, 70 CL. Et Instagram, tout ça, c'est pareil. Attis 70 centilitres. DJ Widim, quoi.
partout quoi, toutes sortes de réseaux. Ouais. Même tu des tapes sur Google, tu le trouves. Même Snapchat. Non, pas Snapchat. Non. Pas encore. Non, ça. Tu vois, on est contre Snapchat nous. Ah. Ouais. Moi j'ai pas Snapchat non plus. Comment ça, on va dans des trucs bizarres. Nous, on n'aime pas ce nouveau mode. Les mecs, chaque fois qu'on s'en invite ici, on laisse la place pour qu'il fasse ce qu'on appelle le un style libre. Un style libre, comme en 1995 avec Bustaflex qui kickait sa salle. Donc, on va te laisser la place. Shout out Bustaflex, d'ailleurs. Ouais, carrément. Des anciens, de retour. De ouf. Ouais. On va laisser la place à Monsieur Attis et DJ Widim. Yeah. Pour un petit live. Yes. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Abonnez-vous à nos chaînes, suivez-nous sur Twitter, Instagram et compagnie. Faites de même pour nos chers invités qui sont venus ici. Donc, mot de la fin, Max. Mot de la fin, j'ai un pote qui cherche une Sénégalaise entre 25 ans et 28 ans maximum, parce qu'après c'est trop vieux. L'homme est là, balancez un message sur Face, balancez un message sur comment ça s'appelle là, sur notre Insta, on va passer le message. Là il n'y a pas sa photo pour l'instant, mais on vous mettra sa photo aussi, vous inquiétez pas, il est là, il est prêt à se marier, Attis, ce mec là. Dernier mot. Prêt à se marier. Dernier mot, téléchargez Five Panel, le volume 1 et le volume 2 sur hauteculture.com. La référence en mixtape française. Vraiment la référence en ce moment. Et il y a que qui font ça. C'est clair. Aussi. Ouais, mais en fait, aussi, enfin, pas du tout contre Upstart, parce que je ne sais pas non plus trop ce qu'ils font, tu vois. Mais ils essayent de mettre des moyens, en tout cas, haute culture, derrière les rappeurs, etc. C'est super. En tout cas, pour moi, c'est appréciable. Ok. Widim, mot de la fin. Merci à vous de nous avoir reçus et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça c'est sûr. Faut pas nous oublier maintenant que t'es venu, tu sais où c'est. De ouf. Non, mais surtout que là, comme je t'ai dit, il y a plein de trucs à venir, donc après, vas-y, on va rester en lien et puis on repassera. Y a pas de soucis. Y a de la marchandise qui va arriver là. Y a pas de soucis. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Yes, merci à vous les frères. Freestyle. Ah, Néo Musique. Wouh, 7-0-CL, DJ Widim, Five Panel Volume Putain 2. Ah, Blockout Radio, check. Wouh, pour le White, artiste, l'artiste. Gros, y'a pas de film, no Spike Lee. Sorti équipé à l'arrière de mon black jean. J'suis né fin des années 80, début des 90s. J'suis dans ma trilogie comme Clapiche. Si on sort les instruments, tu chanteras l'opéra sur Bastille. Et y'a qu'en featuring que j'partage l'affiche. Tes rappeurs courent après Benjamin, j'suis le vaniche. Ils ont le flot de carrelage depuis GIA. Cassé dans les embouteillages, ils verront du trafic. Moi, tard le soir, je traîne, je suis dans le bloc. Lunettes noires, père de Tom Ford. Non, non. Dans le studio, Baptiste Gros. Non, non. Paris, c'était Cinco. Cinco, Cinco. Espagnol, j'ai qu'une seule parole. Je suis un génie dans mes chansons. T'es qu'un dep comme Andy Warhol. Oh. Five Panel Volume Putain 2. Artiste, l'artiste. Allez, acheter, télécharger, c'est gratuit. Five Panel Volume 2 sur Haute Culture. HauteCulture.com, Five Panel Volume 2, Attis. Le volume 3 arrive. Très vite. Wouh! La piche. La piche.